L'équipe Explore, c'est un format qui marche bien. 500 000 visites par programme depuis son lancement en 2013. Et autre motif de satisfaction, la moitié de l'audience de la série se renouvelle à chaque nouvel épisode de l'équipe Explore. Emmanuel Alix, le directeur du numérique de l'équipe, nous explique les innovations de ce printemps suspendu. Ce nouveau numéro de l'équipe Explore est également très innovant, car à l'image des jeux vidéo, il mélange à la fois la vidéo, le documentaire et la 3D en temps réel. Cela va donner la possibilité à l'utilisateur de prendre la main pour naviguer librement sur les sommets gravis et descendus par nos skieurs, de prendre le temps de retrouver leurs itinéraires précis et d'explorer eux-mêmes la montagne. Et enfin, on a pensé aussi ce programme de manière très large, car on va proposer également la musique originale d'un printemps suspendu sur les plateformes de streaming comme Deezer et Spotify. Et enfin, dimanche, pour notre public le plus jeune, on va également proposer une édition spéciale sur Snapchat pour leur faire découvrir ce grand reportage. Ouais, ils ont pensé à tout. Et Philippe, avant de conclure, je vous le disais, ils sont deux alpinistes à apparaître dans le film, Matteo Jacquemous et Vivian Bruchet. Et Vivian est un auditeur fidèle d'Europe